Vous avez trouvé un site internet qui vend des médicaments à prix cassé et sans ordonnance en plus? Dans ce cas, il s'agit probablement d'un site illégal qui n'a rien à voir avec la Suisse et qui ne possède aucune autorisation. Les analyses de laboratoire montrent que près de la moitié des médicaments testés ne respectent pas les normes. Parce qu'ils ne contiennent pratiquement pas de principes actifs ou parce qu'ils sont mal dosés, voire largement surdosés. Sans parler des substances chimiques dangereuses pour la santé que dissimulent ces médicaments et que l'on retrouve régulièrement. L'on ne sait ni d'où ils viennent, ni dans quelles conditions ils ont été fabriqués. Ces produits sont de mauvaise qualité et donc dangereux pour la santé. Il est interdit aux particuliers d'importer des médicaments. Les envois illégaux sont bloqués à la frontière par les autorités douanières, puis saisis par Swissmedic. Dans la plupart des cas, Swissmedic entame une procédure simplifiée. Vous recevez alors un courrier expliquant que l'importation en question est illégale et que les produits seront détruits. Importer des médicaments reste interdit, même si vous disposez d'une ordonnance d'un médecin. De plus, l'envoi est considéré comme un tout. On ne peut donc pas en libérer une partie. Et les produits en question ne peuvent pas non plus être renvoyés à l'expéditeur, car si tel était le cas, ils se retrouveraient à nouveau sur le marché noir. Si le destinataire décide de réclamer, il doit supporter lui-même les frais des courriers échangés ensuite lors de la procédure administrative. Et en cas d'infraction majeure ou de récidive, Swissmedic ouvre une procédure pénale. Nous déconseillons vivement de commander des médicaments en ligne à l'étranger. Ne risquez pas votre santé. De plus amples informations figurent sur swissmedic.ch.